Coucou tout le monde, c'est Emma11 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft, sur une map qui s'appelle Prestige Parcours. Donc à mon avis ça doit être un parcours et tout, donc voilà. Si jamais j'ai déjà pris les trucs qui étaient ici dedans sauf l'Iron Knife, qui ne ressemble pas à un knife, hein, écoutez. Gun. Ah ils ont même modifié ça, sauf que c'est des... Non, j'ai plus le too many items. Bon voilà, sauf que c'est un tir à l'arc. Mais avec flèche infinie. Ah non, bullet. Il a baissé de 1. C'est quoi, arrow, bullet. Oh merde. Oh, et puis fuck, hein. Si jamais. Voilà, donc j'ai déjà pris les trucs et maintenant on va lire les règles. Ah non, c'est parcours prestige et pas prestige parcours. Bon, bref, cette map, bienvenue sur prestige parcours. Parcours prestige, pardonnez-moi. Mais en français, je sais pas, ça sonne mieux prestige parcours que parcours prestige. Je sais pas pourquoi. Cette map est entièrement consacrée à un parcours. Je la recommande pour les bons joueurs, donc moi. 1. À propos. 2. Les règles, les créateurs et les remerciements. Je vais voir si il a include mouse cursor. Yes, ok, vous voyez le truc de ma souris. Donc les règles, ne pas casser de blocs, ne pas utiliser de hack ou de mod, pas de cheat. Assurez-vous que la difficulté est en adventure mode. Jouer cette map en 1 ou jusqu'à 3 joueurs. Si vous voulez enregistrer, mettez mon YouTube link in the description. Mais non. Creator Mac Pro. Ouais. Bah, je vais voir. Donc les remerciements, voilà, vous lisez. This is only part 1 of the map. C'est uniquement la partie 1 de la map. Alors le message... Le message, donc, cette fois-ci c'est l'histoire quoi. Welcome, bienvenue soldat. Il y a une invasion. Il y a une invasion loin d'ici et on te choisit. Mais d'abord, tu vas devoir faire un parcours. Comme ça, tu pourras être prêt pour la guerre. Maintenant, vas-y et go go go. Oh, cool. On peut pas entrer là-dedans? Non. Là-dedans non plus. Et c'est parti. Holy shit. C'est quoi Adventure Mode? Sérieusement. Options. Je sais pas qu'est-ce que c'est Adventure Mode en fait. Map 1, map 0. Bon, si jamais ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Écoutez, on va mettre les maps comme voici. Alors, la map 0, on est là. Bon, ok, moi je comprends pas trop le truc. Bon, au pire, si Adventure c'est avec des bêtes, on va se mettre sur Easy et puis merde. Please don't cheat. Ne cheatez pas si vous tombez. Allez au checkpoint. Premier exercice. Oh merde. Oh. Celui-là il est plutôt dur. Merde. Mais il est faisable, ne vous inquiétez pas. Oh merde, j'ai essayé de faire tout ça directement, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Merde. Ça fait deux fois que je rate.
C'est chiant, un peu. Beaucoup même. Oh, purée. Non, mais imaginez, hein, j'ai déjà des difficultés pour le parcours numéro 1, quoi. Oh, merde. Quel con. Mort-le! J'aime pas ces sauts en longueur et où il faut être super précis, quoi. Je me demande même s'il est faisable celui-là. Parce que normalement, voilà quoi, après une ou deux fois, j'y arrive quand même, quoi. Mais là, non. Je me demande vraiment s'il est faisable. Oh merde! Il est faisable. Oh bien. Oui, t'es sympa, mais... Ah. Ouh, celui-là, il est chaud. Ok. What? C'est possible, ça? Non. Ah, merde, recommencer tout depuis le début. Oh merde. Ouf, j'avais peur de le rater ce saut-là, je sais pas pourquoi. Ça va, il y a de la marche pour bien se tourner, donc ça c'est bien. Mais par contre celui-là... Oh, j'ai réussi, fais chier, merde. Merde, 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 merde. Et je commence déjà à avoir faim. Donc ça, il nous avait donné hein, au début. J'ai pas montré, j'avais pris les coffres en off, les premiers coffres, j'aurais pas dû le faire. Parce que... Voilà. Merde. Alors voilà, je retombe. Ça fait chier. Oh merde. Ah, j'ai mal à l'oreille. Ça va, ils sont plus faciles que ce que je pensais, c'est ceux-là. Plus facile que dans Escape the Lab. Hein. Oui. Et oh là 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 là, j'aurais été deg. Bien. Alors, was that easy checkpoint expert exercise 2. Alors là, le checkpoint, j'imagine qu'il faut pas tomber. Oh les bâtards. Ah. Comment il faut être trop précis pour ce truc-là? Le pire, c'est que on peut mal imaginer le saut vu que il y a un panneau. Voilà. Emma, arrête de trouver des excuses. Mais je trouve pas des excuses. Désolé. Non! Oh merde! Et je dois pas recommencer comme sur les tonnes, hein, parce que sinon il y a de nouveau des gens qui vont se plaindre. Putain quoi. Non mais c'est vrai. En fait, quand je fais les voix, c'est sympa. Le seul problème, c'est que mon micro, je sais pas pourquoi, il accepte pas les voix bizarres. Non mais sérieusement, hein, je l'écoute, je trouve ça dégueulasse, alors que quand je m'entends parler sur la vidéo, et quand je fais la vidéo plutôt, ben, ça donne bien quoi. Mais là, non. Allez, vas-y, montre. Boum. Voilà. Oh merde, fais chier, j'ai glissé. Y a pas un coffre là. Non. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien un petit coffre là. Mais allez, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait nous donner de plus, quoi. Allez, peut-être un peu plus de pain, je sais pas.
Bien du steak. Stack. Oh merde. C'est quand même dur. Ah merde. Et oui, par rapport au skin Minecraft, je l'ai fait moi-même. Non, ils sont pas sérieux. Là, je suis obligé de cheat. Là, je suis obligé. Mais j'ai plus le... Oh putain, je suis deg. J'ai plus le too many items. Oh ben. Slash game mode 1. Je suis désolé, hein, mais... Slash game mode 0. Attends. Ouais, non. Ah non. Attends. Hein. Slash time 7 0. Slash time 7 0. Voilà. Merde. Chier. Non mais imaginez, j'arrive déjà pas à passer le premier truc quoi. Oh, merde! Non mais là ça me fait chier les poteaux, j'ai des difficultés énormes avec ça quoi. Et quand j'arrive à passer les poteaux, putain j'ai des problèmes avec des blocs. Des blocs. Blocs. Pas blog. Putain. Merde. Donc voilà. Pour faire vos propres... vos propres skins comme vous le voulez. D'abord, ça prend. Je tiens à le préciser. C'est dur. C'est... Oui, c'est dur. J'avais raté sur le bloc ou bien ici. Mais à mon avis c'était plus là parce que le bloc il est facilement... Sauf si j'ai raté mon sprint, c'est possible. Pendant qu'on monte quand même l'échelle. Oh mais merde, dis. Si j'ai déjà des difficultés maintenant, merde. Non mais... J'arrive pas à le contrôler ce saut. Attendez, hein, je vais essayer un truc. Laissez-moi essayer 2 minutes. Non, on n'y arrive pas juste en sautant. Allez, peut-être que si on... Ok. Élu. Non! Merde. Haïbara. Bref, merde. Je sais pas depuis quand j'enregistre. Donc ça m'énerve un peu. Non! Attendez, je vais checker ceci directement depuis quand j'enregistre. Alors, c'est depuis 12h07 et il est 22, donc ça fait 15 minutes. Oh merde, Andy! Fou, oh, fou, fou, fou. Merde. Oh merde. Oh merde.
Ah merde, 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 merde. Et c'est là qu'ils ont modé le jeu et qu'ils ont mis un compte à rebours. Putain, j'aurais déjà perdu. Non, 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 non. Mais bon, j'avance petit à petit. Pas à pas, mais j'avance. Je commence à trouver les trucs pour les premiers obstacles. Merde. Ça fait chier. Je remonte l'échelle. Hop, j'y suis. Oui. 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 Non! Ah, je retenais mon saut parce que la dernière fois j'avais un peu glissé. Là, ça me porte préjudice. Ah merde. J'étais trop près du bord et du coup quand j'ai avancé, j'étais trop près du... De, voilà. Ah merde. Ouh, j'ai eu de la chance là. Non, je me suis retenu encore une fois. Ça fait presque une vingtaine de minutes et on n'a presque rien foutu. Allez, j'ai presque rien foutu. J'étais trop près du bord, ça me fait chier. Allez, 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 allez. Merde, alors sinon, comment ça va, vous? Moi, ça va pas trop super. Vous savez que depuis un moment, j'ai pas trop l'envie de faire des vidéos. L'envie revient. Le problème, c'est que... C'est que... Je passe ces derniers temps des moments de merde. Dans ma vie IRL. Pourquoi? Parce que... J'ai certaines personnes qui me cassent énormément les couilles. Et que le problème, c'est que je suis totalement impuissant contre ces personnes. Et que je n'ai rien du tout à dire. Que par rapport à ces personnes-là, je ne peux me confier à personne. Et donc parler sur leur dos à personne. Putain, je rate toujours ce saut-là. J'essaie de me concentrer 2 secondes, mais je rate toujours. Je pense que j'ai jamais réussi ce saut. Ouais, ça me fait chier, quoi. Surtout que ces personnes-là, elles parlent bien sur mon dos. Donc voilà. Alors que je sais, hein, je sais que ces personnes-là parlent sur mon dos. Moi, je n'ai rien à dire. Donc, ça me fait bien chier, en fait.
Surtout que quand on essaye de faire les choses bien et même qu'on fait le faux cul, voilà, pour que ça se passe bien avec ces personnes, et ça se passe toujours mal parce que ces personnes trouvent toujours des excuses pour vous... Comment ça s'appelle? Ouais, ces personnes trouvent toujours quelque chose à me dire pour justifier, voilà. Non, pas pour justifier, juste parce qu'ils ont passé une mauvaise journée. Donc ils se défoulent sur moi et ça j'en ai marre. Du coup, ça se passe mal, on me tire à la gueule. Non, je suis désolé, putain quoi, allez. Oh putain, ce soir-là, il va être dur. J'ai enfin réussi ce truc. Ah putain, j'ai réussi. Oh là là. Non, 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 non. Ah non! Purée non! Donc voilà, moi ça me fait chier que certaines personnes me prennent pour un punching ball et que ils se défoulent sur moi juste parce qu'ils ont passé une mauvaise journée. Voilà. Et moi je n'ai rien à dire parce que ces personnes... De toute façon, chaque fois que je dis quelque chose, ça se passe mal. Et je sais que si j'ouvre ma gueule, surtout que j'aime bien ouvrir ma gueule, quand on m'énerve bien, je sais que si j'ouvre ma gueule de trop, ça va avoir des conséquences encore pires pour moi et que donc je suis totalement impuissant face à eux. Donc voilà, moi ça m'énerve. Et voilà. Est-ce qu'il y a des échelles par ici? Non. Ok. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Je sais que de toute façon ces personnes ne m'écoutent pas, donc voilà. Non! Ils auraient dû nous mettre un checkpoint là. Non mais c'est bon quoi, allez. Slash time, slash game, mode 1. Oh shit quoi. Slash game mode. Vas-y, va respirer. Voilà. Slash game merde. Slash game mode 1. Voilà. Merci, vous êtes gentil. Allez, parce que bon, faut pas abuser non plus. Ah mais oui, mais non, mais on était là. Ok. Oh, nouveau un piqué, ça me fait chier. J'ai glissé. Ouais, bon là, de toute façon, hop. Ok. Vous pariez que je vais rater? Non, je vais pas rater. Celui-là, il va être dur. Okay. Ouh, celui-là, il va être dur. Mais il était dur. Allez, j'ai pas envie de dire, mais du coup, voilà. C'est un peu abusé ce qui nous prend. Ce qui nous demande là de recommencer tout vraiment tout depuis le début. Allez, je suis bien d'accord de faire une petite partie, mais bon, de là à refaire toute cette première partie qui est casse-couille mais à mort, non. Allez. Non, merde. Ok.
Merde. Non, oui. Ok. Merde. Oh merde, je me sens baisé. Bon, ben au pire, c'était pas le saut le plus difficile, hein, mais... En fait, ce qui se passait, c'était que j'avais envie de checker si j'avais bien enregistré, si j'étais bien... Et si j'avais bien... Merde, connecté mon micro. Et donc mon casque aussi, que je m'étais pas trompé de fiche, parce que c'est vrai que j'entends plus... J'entends pas trop la musique de Minecraft, je l'entends même pas. C'est pas qu'elle vient toujours, mais je pense pas l'avoir entendue dans tout cet épisode, ce qui est quand même... Voilà. Oh merde, je dois plus m'avancer pour ce saut. Merde. Et donc j'avais envie de checker le son. Le problème c'est que là du coup j'ai enlevé le bloc. Donc voilà, je me sens baisé. Morlu. Morlu. Ok, bien. Ok. Pourquoi je sens que je vais rater ce bloc? Oh. Non! Oh non, là c'est abusé. Attendez, juste checker, hein. Ah ok, fallait que je le fasse comme ça. Oh bah écoutez, maintenant je termine. C'était quoi la fucking utilité de faire ça comme ça? Sérieux? Bon, j'ai pas envie de dire, mais ça fait un peu... attendez, hein, laissez-moi faire le calcul. 28 minutes qu'on enregistre. Bah écoutez, on va aller jusque-là, et puis voilà. Je sais, c'est mal de cheater, mais bon. Ah, c'est sympa ça. Oh, merde. Mais bon, juste pour retourner au checkpoint plus facilement, moi j'appelle pas ça un cheat. Allez. J'ai envie de jouer à FIFA. Ah merde. À mon avis, je dois plus m'arrêter qu'autre chose, hein. Parce que du coup, ça sert à rien qu'il y ait de l'eau ou pas. J'atterris au même endroit. Merde, mais du coup avec la vitesse du saut, on tombe directement dans l'eau. C'est pas. Ouais, regardez, on tombe directement dans l'eau. Alors ah, faut même pas faire un long jump. Et si maintenant je fais juste un saut comme ça, j'y arrive pas. Ok. Oh, presque, presque, presque. Oh merde, j'étais déjà en train de voler. Mais ouais, il me paraît bizarre ce saut. Je sais pas pourquoi. Oh merde! Pardonnez-moi. Oh merde, j'avais réussi! En plus, bon, vous allez me dire, c'est bien que j'ai raté parce que j'avais un peu... C'est pas triché, mais bon, voilà, vous voyez le truc, quoi. Oh merde! Bon, de toute façon, ce saut-là, je rate jamais. Merde.
Moi aussi, du coup, je vais faire une map et dire mettez-la dans la description. Why not? Je pense à ça maintenant, hein, mais non, je rigole quand je dis ça, hein. Je vais pas faire une map, je vais pas me casser le cul à faire une map parce que bon, ça prend énormément de temps et ça, j'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps, pardon. Et ça, j'ai pas le temps. Oui, tout à fait normal, Emma. Emma. Hops. Oh, mais merde! Mais une fois que je suis passé dans l'eau, je dois plus appuyer sur la barre d'espace, en fait. Parce que j'appuie constamment sur la barre d'espace, moi. Ok. Oh non, je suis dég! Donc oui, cette map se fera en parallèle avec Super Mario Craft. Oui, c'est ça. J'hésite toujours sur le nom en fait, c'est bizarre. Oh merde, fais chier, j'en ai marre. Si en plus Minecraft me casse les couilles. Fais chier. Oh merde, j'ai envie de dire et puis merde, je cheat pour ce bloc-là, mais non, c'est pas dans mes habitudes quoi. Je cheat uniquement pour les checkpoints et quand je trouve que c'est abusé des développeurs, donc voilà. Mais là, c'est pas du tout abusé, faut savoir le faire. Et surtout que là, voilà. Oh merde. Ok. Mais en tout cas, c'est intéressant ça, parce que c'est bien fait, c'est bien fait. Oh non, 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 j'ai pas sauté. Bon, c'est juste pour essayer ce saut-là, ok. C'était juste pour tenter, voir si il était facile ou pas. Ah merde. Merde, j'ai raté mon double saut là pour le coup. Oh mais merde, mais non, mais ça doit être chiant pour vous quoi en plus. Oh merde. Allez, on se concentre. Allez, c'est pas ici dessus qu'il faut se concentrer, c'est plus ici dessus. J'ai mal à la tête en vrai, d'un coup. 3, 2, 1. Holy shit. Mais bon, faut le réussir, oui, trop fort. Checkpoint, il y a une échelle ici. Oui, super. Eh ben écoutez, on va se laisser ici. Et donc voilà. Moi je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée. À la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout de laisser un petit commentaire parce que ça me fait énormément plaisir et que j'y réponds bah, très souvent. Donc voilà. À plus. À plus. Ah, c'est bizarre l'effet qu'il fait le ciel. Ouh, j'ai eu de la chance. Ouh. À plus.